Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Avec mon caméraman attitré. Ça y est les gars, on va enfin faire des plans dynamiques, ça va être cool. Aujourd'hui, biceps, quadriceps, séance de folie. Ça va, je suis en forme aujourd'hui là. Je suis en forme. Ces derniers temps, je m'entraînais un petit peu à jeun. Là aujourd'hui, avec Sean, on se voyait pour 13h30. J'ai déjà mangé un repas. Donc ça me change. Là. J'ai l'impression d'être bien rempli là. Je vais avoir du jus. C'est cool. Et puis bah sinon, au niveau de l'évolution, bah, il nous reste 7 semaines et demie, un peu moins de 8 semaines. Et je suis à 109,9. Donc un peu moins de 7 kilos à perdre. Donc on est top. Là avec Louis, soit demain ou après-demain, on va descendre un petit peu les calories. On va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, en tout cas, ça se passe super bien. Je suis dans les 15 000 pas à peu près par jour. Je fais 11 à 12 km de marche par jour. J'ai une dépense d'environ de 4 000 calories pour une diète là à 3 000 calories. Donc j'ai un déficit de 1 000 en gros pour faire simple. Donc voilà les gars, donc c'est parti. Séance, on se met à fond dedans, on va commencer par les biceps. Pour tes vidéos, j'avais pensé à un truc. Ouais, dis-moi. Faire des shorts dans les shorts, là, les extraits de tes vidéos là où tu parles, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais. Essayer d'augmenter un peu. Mais du coup, pour ça, quand je te filme comme ça, je te filme un peu loin pour pouvoir à la. Pour pouvoir après, ouais. Bah c'est surtout essayer de centrer. Oui, parce que ça. Si tu me filmes et qu'au bout d'un moment je suis à gauche, après je passe au milieu. Non, ça, à la limite, c'est pas grave. Enfin, en fait, si tu peux faire. Oui, tu peux. Ouais, tu peux bouger, ouais. S'échauffe tranquille, premier exo. Alors pour les petits nouveaux, ça va sembler bizarre que je fasse biceps et cuisses après. C'est juste que cuisses pour la prépa, j'ai pas besoin d'en faire énormément. C'est pas l'objectif principal, je dois même justement en perdre un peu. Donc on rajoute juste un petit stimulus et comme je dois prendre des biceps, bah on rajoute un petit peu de biceps avant la séance, 3 exos. Là, on commence avec cet exo à la poulie haute. Je te laisse tourner le rec. Ouais, bien sûr. Notre d'échauffement quand même. Puis après on va commencer. Tranquille. Ok, c'est bon pour celle-là. Là on a deux séries. Une série de 9-12, une série de 13 et 16 reps. Donc là je vais mettre un peu lourd. Mathieu qui fait le con derrière. Sean, t'es loin là. Tu me vois? Puis j'ai donné mon dernier pré-workout à Ashraf là dans l'ancienne vidéo. Du coup je me suis envoyé un petit café. Allez c'est parti, on rentre dans le jus. Oh là là. Que la semaine dernière, cette semaine là, j'essaie d'un petit peu monter. C'est mental surtout, hein, mais on va essayer de se. Bouger le cul parce que là plus les jours passent plus la motivation elle grandit donc on va se bouger, se donner à fond. Ah avec cet appareil là, ouais. Ah c'est les photos qu'a fait Sean avec son petit appareil là. Franchement ça tue, ça rend bien je trouve. Avec sa photo. Franchement ça tue, ça fait des belles petites photos. Ça fait des photos très à l'ancienne, ouais. Ah j'aime beaucoup, ouais. Ah c'est stylé.
Photo de scène, ouais. Franchement, ça claque, hein. On va en faire quelques-unes. Tiens, vas-y, je vais faire ma série. Deux bonnes séries là. Maintenant on va passer au poulie face curl. On prend les poulies. On se met là. On va se mettre juste là. Je prends 2 minutes de repos puis on va enchaîner. Il est vraiment bien cet objectif. Par contre, t'es obligé de rester vraiment près comme ça là. Ouais. Bon, allez, première série. C'est parti. Elle m'a saigné celle-là. Oh putain, ça me fait du bien. Allez, 16. Là j'ai fait une série du coup à 18. On visait 9-12 reps. Là on va juste baisser de 2 kg. On va viser les 15-16 reps. Je vais prendre une 32 minutes de repos. J'ai que 2 sets donc. On va se reposer tranquille, le but c'est d'être performant comme je disais. Donc coolos. Un bon pump là. On va pas sortir les débardeurs là. Hein, bon ça va, j'ai encore beaucoup de glucides. 300 grammes de glucides encore par jour. Donc c'est cool, je me sens pas hyper plat quoi. Donc ça c'est cool. Puis ça réagit tout de suite à quand je m'entraîne. Donc ça fait plaisir de sécher et puis de pas être tout plat, de ressembler à un truc guillemets à rien quoi. Donc ça fait plaisir. Sur cet exo, on va passer direct aux haltères. C'est vrai, mon découpé, c'est vrai, ça, ouais, ça commence. Le dos, à bien, tu sais, quand des... C'est vrai. Là, tu sais, ouais. Quand tu portes les haltères, tu peux y aller là. Voilà, ouais, ça commence bien. Là. Ouais, bah, je suis content parce que j'ai réussi à bien perdre des cuisses en fait, tu vois. Là, ça commence à être bien homogène entre le haut et le bas, donc. Merci mon gros, c'est cool. Non, ça va, je suis content. Ouais. Ah bah non, franchement. Ouais. Ouais. Les derniers kilos. Dernier détail là, ouais. Bon, il y a 2 kilos qui vont être durs, après le reste, ouais. Ça va aller. Là, ce matin. Ouais, tu sens que t'as encore un petit peu de. Oui, oui, j'ai de la merde tout là, tu vois. Ouais, elle. Tout là, ouais. Non, c'est beaucoup, hein, on dirait pas. Ouais. Alors, même là, tu vois, tout là, tu vois, tout ça. Ouais, oh, il y a de la merde encore. Mais non, ça va. Oui, après, c'est sûr que pour le commun des mortels, c'est très sec. Mais, ouais. Mais pour la compète, non, ouais, j'ai non. Encore. Bah, ça va, j'ai encore un peu moins de 8 semaines. Bah, ouais, de toute façon, on s'était vu il n'y a pas longtemps. Ouais, ça va, toi? Ouais, enfin, moi. Allez, go, c'est parti.
J'adore ton t-shirt. T-shirt total. Sponsorisé. Putain, il faudrait qu'ils... Je mérite d'en avoir un de chez eux, ces enfoirés là. Tout le pognon qu'on leur donne. Bon allez les gars, on a fini les biceps, on passe au gibol, c'est parti. Quoi? Ouais, c'est... Ceux qui me demandent à chaque fois pré-workout, intra, post-workout. Donc pré-workout, soit je prends une scoop et demie de knockout, donc où il va y avoir un stimulant, de la caféine, du thé vert, avec arginine, citrulline, bêta-alanine, et 2 grammes de créatine. Ou alors je prends du pump explode, si j'ai pas envie d'avoir de stimulant dans ma séance, c'est juste un booster de NO, donc pour la congestion, 2 pumps de pump explode et de la créatine. Intra-workout ou pré-workout, là je l'ai bu juste avant la séance, 15 grammes d'amino, donc d'acide aminé, de BCA. Et du coup, ouais, je vous disais, post-workout, 60 grammes de whey isolate, 2 grammes de créatine et 25 grammes de carbonox. Et voilà, c'est bon pour tout ce qui se passe autour de l'entraînement. Je vais faire la deuxième série de chauffe. C'est que c'était une bonne série. Bah ouais, bah écoute, hein,
c'est le but. Hein. Alors, on va rester à ce poids-là, déjà bien. Là. Je fais 11 reps, on va aller à l'échec. Ça chauffe bien. Ah, plus qu'une série. Après, on va passer cette magnifique presse. Ouais, authentique plus dedans peut-être. Bah c'est cool. Ouais, bien sûr. Puis c'est un truc que le grand angle, c'est bien, c'est un truc que je peux pas faire tout seul quoi. Par mettre le trépied et mettre la caméra à 20 cm à la gueule. Heureusement que j'ai fait un gommage la semaine dernière. Ça va, je suis pas trop, trop dégueu là. Coupé, mais bon. Ça va les gars. Discute un peu. Bon les gars, j'ai les ischios en feu, bordel. Ischio fini. Direction la presse. Putain, ça fait bizarre de regarder le plafond. Nautilus. On va s'arracher. Ah, il y a moyen de faire des bons plans sur la presse peut-être. Des trucs. Ah non, avec le grand angle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, là, je vais faire un POV, t'es pas en réponse. Ah ouais. Vas-y, marche. Il est con celui-là. C'est ça que je pensais d'ailleurs, sur la presse, faire un POV leg press. Et on dirait vraiment tu fais 2000 litres. On dirait la main. Check, mec. T'as ce que je peux te piquer des poids ? Ah ouais, vas-y. Hein. Ouais, c'est bon ? Ouais. Merci. Ah, c'est pour faire genre sur ta vidéo, t'es super cool avec les adhérents. Merde, elle est pas... Allez, première série de chauffe. On va mettre du poids là. Mmh.
Yo mec. Il est fou celui-là. Putain, ça va pas faire autant sur ta gueule. Des idées cons que t'as toi des fois. Je suis accroché à ta route. Stop. Elle m'a éclaté celle-là. Oh, j'ai la tête qui tourne. Allez, encore une série, on a fait 11 reps. Là, l'objectif c'est 15 après, je vais baisser de poids un peu. Prendre 3 minutes de repos. Après, je crois qu'on a adducteur. Ou abducteur, abducteur, je sais plus. On va voir. Après, leg extension et puis... Let's go. J'ai la tête qui tourne, putain. Ouais, ça va. Les lunettes m'ont donné la force de Peter McCalloway. Ça fibre un peu, je sais pas si on le voit la caméra. Comme ça, là. Ah, ça fibre un peu, ouais, on le voit un peu. Ah, ouais, comme ça aussi. Là, on voit que ça fibre. Bon, apparemment, je dois vous parler. Je le filme faire mieux. Allez, Trimard. Ah, je suis content, bonne série. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec le petit Sean là. Je suis tout le temps tout seul là. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un. Puis ça m'excite de savoir que vous allez avoir un peu des nouveaux plans, un peu un truc nouveau. Parce que ça me dérange pas de me filmer tous les jours, sincèrement. Je le fais avec grand plaisir. Mais
ça me saoule de vous proposer des trucs rébarbatifs, quoi. Je me mets à votre place et je me dis, je vais encore me filmer, faire le même entraînement. En plus, je commence à parler de moins en moins, parce que je commence à être éclaté. Donc, j'ai envie de vous proposer un bon truc aussi. Bon, allez, c'est parti, on enchaîne. Chauffe. Après, on va passer sur l'autre. Première série. Qu'est-ce que t'en penses de ce filtre-là? Ça a l'air sympa? Ça a l'air sympa, ouais. Par contre, ce que je regardais, ce que j'ai pas... Bah non, mais là, t'as le diffuseur plus le filtre. Hein. Là, il y a les deux en même temps, là. Ouais. Ils font les meufs pour le faire 3 fois par semaine. Même si je suis dans le 80, tu sais, quand je t'ai en 4K, je ne mets pas forcément sur. Oui, voilà, tu fais un peu plus, ouais. De toute façon, franchement, YouTube, il te nique tellement la qualité, gros. La qualité sur mon iPad de la vie des vidéos, je te jure, c'est un truc de malade, c'est un film. Tu mets sur YouTube, tu perds comme. Enfin, pour les gens, c'est encore une qualité de malade, mais moi, je vois la différence et ça fait chier, quoi. D'ailleurs, je t'ai dit, on va faire passer le documentaire avec Charlie, là, celui qu'on a fait l'année dernière. Et enfin. Et enfin, ouais. Il va passer au Megarama. Ouais, à Stalingrad. Ouais, si, si, ouais. Alors, je ne dis pas de date encore, mais fin d'année, début d'année. J'espère avant Noël, le but, c'est avant Noël, mais ça va se faire. Le fin novembre, le documentaire sera fini, donc après, c'est juste des questions de réglage, etc. Parce que voilà, faut que le son et la vidéo, c'est super chaud à régler dans une salle de cinéma plutôt que en le mettant tout simplement sur YouTube. Donc il y aura ça à gérer, mais après, j'ai le temps de gérer comment je vais faire, comment les gens vont réserver leur place, les tarifs, etc. Je vais pas mettre des tarifs, ça sera entre 5 et 10 balles la place, sincèrement. Mon but, c'est pas du tout de faire du profit sur ça, c'est que tout le monde ait un accès quand même raisonnable pour pouvoir voir ça. Et puis voilà les loulous, donc super hâte de faire ce truc, ça va être vraiment sympa, quoi. Les loulous, ouais, vous êtes mes petits loulous. Un peu de finesse dans ce monde de brut. Allez, c'est parti. Ouais, Sean, il me demandait c'est quoi ton but là en ce moment avec les réseaux sociaux, tout ça, etc. Et notamment YouTube. Et je lui disais, bah c'est vrai que si je veux être. Parce qu'il me disait, ouais, si t'as envie de devenir quelqu'un de connu sur YouTube. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du YouTube, déjà, ça prend énormément de temps. Beaucoup de sacrifices et de moyens. Parce que là, c'est un tout autre budget, même en termes. Bah, de caméraman, de montage, surtout en termes d'idées aussi, parce que bah, c'est le truc principal de la vidéo. Donc aborder des sujets peut-être que moi, j'ai pas trop l'habitude de faire. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de forcément, je sais pas comment dire, extravagant peut-être, aller dans des trucs qui sortent de l'ordinaire, je sais pas.
Si. Hein, j'ai une M4. Ouais, non, mais extravagant, non, mais je sais pas comment, j'ai peut-être choisi le mauvais mot, mais je sais pas, quelqu'un qui va parler de tout, de peut-être de sujets, de peut-être parler d'autres personnes, du body, de trucs. Je dis pas forcément critiquer, mais voilà, s'ouvrir à plein de trucs. Et je sais pas si je suis comme ça. Et deuxièmement, même quand tu commences à faire ça et que bah tu perces, que ça fonctionne, bah le jour où tu vas vouloir peut-être prendre une pause, ou tu vas en avoir marre, etc. Par exemple, ça va durer un mois, deux mois, trois mois, tes stats elles vont faire comme ça. Et ben là, tu vas te mettre des coups de pression. Ça veut dire que c'est une autre pression que tu te mets en plus dans ta vie. Alors après, on n'a rien sans rien, hein, de la pression, de toute façon, c'est ça qui nous fait vivre aussi. Mais je veux dire, ça peut être un stress en plus. Tu vois ce que je veux dire, mon gros? Ça veut dire que tu t'entreprends dans quelque chose où faut pas lâcher le rythme après, tu vois. C'est un autre taf. En fait, j'ai envie de m'y prendre, mais en me faisant plaisir. Ouais, chill, tranquille, sans me mettre la pression. Bon, là, je me mets entre guillemets la pression en disant que je fais des vidéos tous les jours, etc. Mais c'est des vidéos, en une demi-heure, elles sont montées, je me filme à la salle et voilà, je dis pas que c'est bâclé, mais je veux dire, ça me prend pas un temps énorme. Mais puis je sais que ça fait plaisir à une certaine communauté. Mais j'aimerais faire des trucs un peu plus travaillés, des trucs un peu plus sympas, des trucs où on parle un peu d'autre chose, un peu de tout. Et ouais, je demande pas à faire 100 000 vues par vidéo, c'est pas ça qui me fait frissonner, ou même de gagner 5 000 balles avec YouTube par mois, pas du tout. Mais faire un truc que j'aime, quoi, tout simplement faire un truc que j'aime. Et des fois, quand t'es tout seul et que tu dois faire tous tes trucs tout seul, surtout bah là, quand tu te mets une prépa dans les dents, c'est pas forcément évident de trouver l'énergie ou de tout trouver pour tout faire tout le temps, c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu restes humain et j'ai ma prépa, j'ai mes coachings. J'ai du taf derrière aussi, j'ai mes amis, ma famille. Au bout d'un moment, voilà, tout ça, ça prend une certaine ampleur. Et il faut quelqu'un d'autre aussi, faut d'autres personnes tout simplement pour t'aider à concrétiser tout ça, quoi. Puis après, c'est des périodes aussi, quoi. Donc là, le principal, ça reste surtout ma prépa. Mais j'ai quand même envie d'essayer de partager un maximum de choses. Donc là, on va dire que j'ai mis un pied dans YouTube depuis début août, vraiment, en étant actif. Et après, on verra. Je pense que je ferai le point début janvier. À essayer de faire autre chose quand je serai plus en prépa. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où peut-être je vais commencer à me diversifier, à faire des trucs plus pro, etc. J'aurai plus le temps. Et puis bah d'échanger aussi avec vous, la communauté, de ce que vous avez envie aussi, tout simplement. C'est ce que je me régale en ce moment. C'est mon avoine avec de beurre d'amande dessus là. Et les patates, tu sais, j'ai acheté un air fryer. Les patates douces pendant 40-45 minutes dans l'air fryer. Et quand tu ressors, elle est toute... on dirait qu'elle est sucrée, elle est toute... Oh, incroyable. Incroyable. Oh putain. Allez, leg extension, 3 séries. Merci chef. T'as l'air trop ? T'as l'air trop mimi, genre trop mimi. Ah ouais, t'as enfoiré. Ouais. Oh, tu pèses combien, non ? 109,9. 109,9. Ouais. Bah là, chaque 100 grammes est important, là. J'ai une grosse bête de presque 110 kilos, là. Tout d'en haut. Tout mimi. Sourire, c'est important. Ah, je me suis pas rasé. Tiens, poulet. Oh.
Ouais, mode, oui, pro, ah, authentique quoi, ouais, tu vois. Bien sûr. Putain, cette nuit je me suis bloqué, là. Parce que j'ai branlé, je me suis bloqué le cou. Ah. Là ça part en film de sgeg un peu là, c'est pas bon. Quand je fais ma série ? Non, là, comme ça, tiens, je ferai ça. Oh putain, merde, on va le résumer là. Ah, plus qu'une série. Cardio après. Tu vois, jusqu'à l'échec, échec, échec. Chaque fois. Oui. Chaque fois. Là, il y a juste cet exo, je t'avoue, je me donne qu'à 80%. Tout le reste, je me suis donné à 100%, lui 80% parce que j'ai vraiment envie de perdre des cuisses en fait. Non, je te jure, c'est vrai, tu vois, j'ai pas envie de trop me bourriner parce que je me connais. Et je sais que si je donne vraiment un gros stimulus comme je faisais avant, comme je m'entraîne normalement, mais si je le fais vraiment à 100% sur les jambes, je sais que je vais prendre des... C'est con, hein, mais même si tu me mets juste deux exos dans la semaine, je sais que soit elles vont stagner, soit je vais prendre. Donc je me donne, mais à 80% sur cet exo. Tout le reste, je me suis donné à 100%, même la presse. Parce que la presse, il y a quand même un engagement ischio-fessier qui est important à prendre en compte. Mais là, le leg, je me donne à 80%. Ouais. Je me tue quand même, hein. Attention, quand je dis 80, c'est une moyenne, mais je me tue. Mais je sais que je pourrais faire un peu mieux. Mais voilà, c'est déjà là, ça décongestionne de ouf. Ça te force à t'entraîner dur aussi. Mais c'est ça qui était bien quand je me filmais là. T'as pas besoin de te soucier. Oui, ouais. Pour ça, il a pendant 2-3-4 jours, ça m'a fait du bien un peu. Là, quand tu vas avoir un lucide, comme tu disais, tu vas être éclaté. Ah oui, je vais être éclaté, bah c'est pour ça. Bah ouais. Je te parle, peut-être que ça. Bah oui, du coup, exactement, c'est super là ce que tu fais tout à l'heure. Le fait de me parler et tout, c'est bien. En plus, on raconte des conneries en plus. Allez, dernière série. Après, on passe à un dernier exo, et puis c'est bon, on a fini. Toc, toc, toc. Ah putain. Putain de cuisses. En fait, je suis quand même un gros connard parce que pendant 3 mois, j'ai fait de la force à prendre des cuisses. Et le mec, maintenant, il doit tout perdre, n'importe quoi. Mais bon. Ça
ça fait plaisir. Allez, c'est parti, dernier exo à l'hyperextension et puis bon, on est bon. Pour ta compète, tu vas te faire un petit look au niveau de stage, tout ça? Je sais pas. Petite coupe Je sais pas. Là, j'ai ma petite coupe cheveux en arrière, là. C'est bien, c'est dégradé, tranquille. Petite barbe. Après, est-ce qu'il faut faire absolument une petite moustache vintage? Après, je pense que c'est tout rasé, peut-être. Je sais pas, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je réfléchis, je dis, à la place du juge, tu vois, le fait qu'il y ait un mec qui a un petit look, on va dire... Oui, ça rend toujours bien, bah oui. Ça peut jouer. Hein. Bah, c'est... C'est bidon, mais... C'est bidon, mais c'est ça nous donne un look général, quoi. Enfin, c'est... Ça peut jouer, tu vois. Bien sûr. C'est juste, c'est leur goût et les couleurs, tu vois. Bien sûr. Mais le truc, c'est que je sais pas si moi, j'ai une tête à avoir une... Tu vois, je sais pas, une moustache, je sais pas. Je vois pas trop. Je sais pas comment faire. Non, je sais pas. Je sais pas, ça rend bizarre là. T'as un filtre? Attends. Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? Alors, un filtre à la con, filtre vintage, c'est boum. Attends. Eh, ça va nickel, frérot. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est beau, ça tombe. Ça te va nickel là. Fais une photo. Attends, je vais trouver un bon. T'es en enculé. Je vais avoir une tête de merde. T'es vraiment un gros bâtard. Attends, bouge-toi. Non, vraiment, j'ai un vrai filtre. Putain, il est où ce filtre de merde? T'es vraiment un gros bâtard, vas-y, va te faire foutre. Allez, go. On finit ça là, comme ça, c'est bon. Oh, c'est une grosse moustache là, hein, quand même. Hein. C'est lui, lui, il doit lécher des trucs, mon pauvre. Non, je disais, ouais, la mine, quand je fais le cardio, tu vois, juste 5 minutes, je vais faire quelques plans. Tu sais, du gym, et même moi, quand je marche. Ouais, mais j'ai pas envie que tu sois en retard. Enfin, j'ai pas envie que tu tapes les bouchons et tout, il est déjà 15h30. C'est pour toi, gros. Non, mais je vais faire 40 minutes de cardio, tu vois, rester 40 minutes. Tu vois, c'est pour ça que je te dis juste, tu peux rester 5 minutes, même quand je marche, tu vois, comme ça, ça fait des plans un peu. Et vraiment, je pense que le grand angle, c'est le truc que tu devrais utiliser plus souvent. Mais ouais, mais tout seul, frérot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai la tête qui tourne, j'ai deux doigts de tomber dans les pommes, je te jure. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation, c'est marrant. Là, je te jure, l'année dernière, c'était chaque série, c'était incroyable. Mais bon, ça veut dire que... On est dans le bain. On est dans le bain, mon cousin, ça y est, ça tire. Même tes cicatrices, ça se voit, t'as trop pris rapidement. J'ai trop de masse, mon cousin, c'est quand j'avais 20 ans. Manger un paquet de jambon avant de dormir. Je te jure, je faisais ça un moment. C'était. Putain, vieille anecdote. Okay. C'était quand j'avais 18 ans, je crois, un truc comme ça. Et tu sais, moi, à mon époque. Bah, c'était il y a 10 ans. Non, mais attends, c'était il y a 10 ans quand même. 10, 11 ans, tu vois. Et le mec qui était présent de fou sur YouTube, c'était le numéro 1, c'était Lorenzo Becker. À l'époque, je me rappelle,
il avait déjà 200 ou 300 000 abonnés sur YouTube il y a 10-11 ans. C'était un truc de malade. Et franchement, il faisait des bonnes vidéos, tu vois. C'était, alors, je sais pas si c'est lui qui les montait, enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà, il faisait des bonnes vidéos et tout. Et il expliquait à un moment que il se bouffait deux paquets de jambon le soir avant de dormir pour avoir de la prot et tout. Alors que c'est hyper mauvais, c'est bourré de sel, d'excipients de merde et tout. Je ne conseille vraiment à personne de faire ça. Et ma toute première prise de masse, je me rappelle le soir avant de dormir, je me mangeais ça et tout. Ma mère, elle devenait folle, il y avait des paquets de jambon partout dans le frigo. Ah putain, j'en ai fait des conneries à cet âge-là, avec la bouffe. C'est quoi ta pire connerie? Bon, après ma pire connerie, c'était de manger beaucoup trop de prot, d'être trop gras, tu vois. Et à l'époque, c'était encore la mode, entre guillemets. Surtout aux États-Unis, même dans le milieu pro, tu vois, genre le Jay Cutler, même Phil Heath et tout, à l'époque, en prise de masse, les mecs, ils étaient obèses, tu vois, ils étaient gras, tu vois, ils mangeaient à mort, ils s'envoyaient à mort des burgers, beaucoup de calories, et moi, je faisais la même chose, tu vois, sauf que j'étais loin d'être pro, tu vois. Et... Ouais, oui, c'est sûr, bah voilà, c'est en apprenant de ses erreurs. Après, mine de rien, c'est pas pour autant que je progressais pas, j'ai quand même réussi, en faisant tout ça, à construire un physique. Mais c'est vrai que le côté santé et même le côté prendre du muscle, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire sur le long terme. C'est beaucoup de contraintes et de problèmes sur la santé. Faut quand même que, même si on prend des produits, on fait des trucs, même si ça reste un sport à haut niveau, faut quand même essayer d'avoir un maximum, un aspect santé sur même sur ce qu'on mange, etc. Tu vois, c'est, je pense que c'est le minimum. Là, je suis juste sous TRT. Après, je peux pas dire en détail par rapport à Olympe, malheureusement. Mais. Hein? Ouais, bah coupe alors, comme ça. Bon, allez, je fais mon cardio, je vais au cardio, moi. Il y a quoi dans le sac? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Une magnifique whey, de l'eau, des lunettes pour le style, de la magnésie, la banane à chaune. Qui a l'air un peu fatigué. Un objectif 24-70. T'as un objectif, mon cousin? Vas-y, un objectif pas cher. Des magnifiques acides aminés. Mon casque quand je vais marcher. Des sangles, un élastique. Des bandes pour les poignets. Une cuillère qui doit être là depuis... Oula, depuis sacrément longtemps. Attends, ouais, elle doit être là. Elle doit être là depuis... Elle doit être là depuis très longtemps. J'ai un lacet, mais même pas pourquoi. Enfin voilà quoi. Bon allez, direction cardio. J'espère que ça vous a plu les gars en tout cas. Moi ça m'a gavé plu. Et puis bon, on se dit à la prochaine. Hein? On est dans le sud-ouest, on vous aime. Allez, c'est parti. Tu m'as... Ouais, je vous disais... J'espère que ça vous aura plu. Plus de musique, je parle doucement. Non, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars. Moi, ça m'a. Bah, moi, tu vois, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que tu sois là, mon gros. Merci à toi. Merci d'avoir fait la route. Et ça fait plaisir. Je vais me régaler au montage. Et puis, si ils aiment bien, bah, déjà, vous likez. Hein. Faites pas les enfoirés, comme d'hab. Là. Mettez un petit commentaire. Vous vous abonnez, parce qu'il y en aura d'autres. Et puis, comme je dis toujours, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, petit commentaire, ça fait plaisir. Je serai là pour y répondre. Et puis, ciao, ciao les gars.